à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai un peu la voix fatiguée, c'est parce que je reviens de la Paris Manga et j'ai reçu plein de cadeaux dont un trophée YouTube TNT, vous allez voir, c'est complètement épique. Ah, c'est vrai que d'habitude je montre pas les cadeaux que je reçois en convention, mais là, vous avez été tellement à les réclamer qu'au final, voilà, je vous les montre. Alors on commence tout de suite avec un magnifique petit bloc de diamants, mais j'ai aussi reçu plein de dessins, regardez-moi ça, ces magnifiques dessins de TNT. Voilà, donc là vous avez la TNT rouge et voilà, là c'est différentes TNT de mode magnifique. Alors j'ai reçu de la nourriture aussi, j'ai reçu ces deux petits trucs. Alors ça apparemment c'est dégueulasse. What the fuck? Ça a une odeur bizarre. Regardez, c'est des petits pois, mais c'est une odeur de caramel pourri genre. Oh la vache, c'est hyper pimenté. C'est ultra piquant. Je vous adore mes abonnés, vous êtes géniaux. Les meilleurs cadeaux du monde. Attendez, j'ai pris juste un tout petit bout du truc, c'est ultra pimenté. Là j'ai la langue qui arrache là. Ah bah merci à toi, ça fait plaisir. Alors là c'est quoi là, on dirait un truc avec un goût burger. Ils savent plus quoi inventer ces asiatiques. Mais après tout c'est ça qui fait plaisir, ça fait des trucs originaux. What the fuck. Coucou. Ah non c'est pas mal, c'est un petit goût de fromage chelou. Un fromage un peu épicé, genre bizarre. Mais c'est déjà meilleur que les petits pois pimentés. Non, c'est vraiment pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on continue avec les dessins du talent. Un petit portrait du GB, magnifique. Voilà, je ne savais pas que j'avais un nez aussi long. Et par la même personne, regardez, l'œil du GB. Alors, à l'endroit, c'est mieux quand même, voilà. L'œil du GB, j'ai pas trop compris pourquoi. Et à gauche, une magnifique TNT. Voilà, ça fait plaisir. J'ai aussi reçu, ça c'était aussi à Frijus. Voilà, c'est un petit best-of. Regardez, une TNT. Mais c'est pas n'importe quelle TNT. C'est une TNT qui a été faite. Regardez, attendez, on va essayer avec le focus. Regardez, c'est une TNT qui a été fait au stylo 3D, c'est trop stylé. Regardez ça, ça a été fait au stylo 3D, genre sans pression. Je savais même pas que c'était possible. J'avais vu quelques vidéos de stylo 3D, mais c'est vraiment ultra stylé. Je suis reçu des sculptures, regardez-moi ça. Legolas en pâte Fimo, tu vas faire quoi? Regardez-moi ça, il est magnifique, le chien-chien avec ses beaux yeux bleus. Regardez, j'ai même ma sculpture à moi, regardez, avec une petite TNT au bout de la main, c'est trop stylé. Pour ça, je sais pas ce que c'est le truc vert. Et du coup, regardez, pouf, voilà, comme un petit jouet. Et voilà la figurine du GB qui chevauche Legolas. Franchement, trop trop stylé. Et en bonus, il m'a aussi fait regarder des mini-figurines qui représentent le cimetière dans Clash Royale. Ah, regardez, il y en avait aussi une troisième et la troisième était cassée. Ah non, mais mes abonnés ont du talent. Et je casse tout. On a aussi un dessin de Monsieur Franck, une magnifique épée en diamant, regardez-moi ça. Et on a également un magnifique dessin d'une selle, voilà, donc là c'est le GB. Là vous avez le post-bloc, un petit Pikachu, Monsieur Mouton qui fuit les explosions, voilà la base. Le petit Legolas et des lui qui bloque, voilà, ça fait plaisir. Et attendez, regardez ce que j'ai eu. Voilà, ça c'est le suite que j'ai porté à la convention. Et regardez, j'ai une abonnée qui m'a cousu main, un petit pins TNT, trop la classe. Ah, je l'ai porté pendant toute la convention. Il y a aussi un pins avec une table d'enchant, mais je sais pas où est-ce qu'il est passé. Alors ça, je pense que je vais les mettre à toutes les conventions. Et du coup, pour finir, regardez-moi ça les amis, le trophée YouTube de la TNT. Alors j'espère que je vais pouvoir inverser l'image au montage. Mais en gros, voilà, c'est un magnifique trophée YouTube avec une grosse TNT ici. Là, on peut voir le logo YouTube avec ici écrit Agent GB, bravo pour avoir dépassé les 695 165 abonnés. Voilà, c'était au moment où il l'a fabriqué. Donc voilà, un magnifique trophée YouTube que je vais pouvoir ajouter à ma collection en attendant celui peut-être du million d'abonnés. En tout cas, c'était vraiment sympa, ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer en vrai. Vous avez toujours le sourire, vous êtes joyeux, ça fait vraiment trop plaisir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me voir, eh bien je serai à la Video City le 8-9 avril. Donc n'hésitez pas à venir avec des cadeaux, des dessins, je ne sais pas quoi. J'adore les Schtroumpfs et les Kinder Bueno White, voilà, ça c'est un, les petits placements, si jamais il y en a, ils savent pas quoi m'offrir. Le mec qui a trop faim. En tout cas, voilà, c'était vraiment super cool, j'ai reçu plein de lettres aussi, mais bon ça je vais pas vous les montrer. Cher agent GB, toutes les nuits je rêve de toi. Bref. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo où je vous montre un petit peu les cadeaux. C'est vrai que j'avais jamais fait ça sur la chaîne. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à vous, puisque vous regardez cette vidéo. Merci pour tout votre soutien, vos pouces bleus. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. On est presque 700 000. Si ça se trouve, on va le fêter à la Video City. Et sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. Et sur ce, high five.